215 l'année et commémoration bien célébration bataille de Vertières. Je dis à présent dans Mupana musée national d'Haïti côté pour nous vivre premier moment dans journée ça côté président de la République là et Jovenel Moïse lui-même il pral faire offrande florale, il pral déposer un jep de fleurs et pour capable rendre hommage c'est bien mérité à héros de l'indépendance. Nous connaissons que Mupana c'est un musée côté qui regroupe tout ça qui a rapport avec histoire pays d'Haïti, histoire et culture, patrimoine pays d'Haïti. Et bien jodi à la matin là, télévision nationale ba opportunité pour capable vivre moment fort ça, cérémonial ça qui est assez fort, qui est assez symbolique pour journée 18 novembre 2018 ça, 215 l'année après bataille de Vertières là. Président de la République là accompagné de plusieurs membres dans l'autre pouvoir au présent jeudi à dans enceinte Mupana pour venir faire offrande florale ça Jean Connel là jeudi à 18 novembre et toute structure dans l'État, toute population mobilisée pour capable rendre hommage bien mérité à héros de l'indépendance qui permettent jeudi à n'a parler de pays d'Haïti parce que dans le temps c'était Saint-Domingue là nous voulons rappeler pour tout le monde que tout pouvoir l'État que ce soit l'exécutif et le législatif, le judiciaire, tout le monde est présent. Et là, je dis là, et tout structure dans l'État mobilisé pour rendre hommage ça, hommage bien mérité pour le monde qui permet aujourd'hui à là, n'a parlé de pays d'Haïti. Et déjà, le président de la République est lui-même est arrivé, et sous site Mupana, côté que il a procédé à salutation d'usage, à reste même, dans l'exécutif là, reste même dans les deux pouvoirs de l'État qui présent là. Il faut me dire que tout le monde là, et président Assemblée nationale là, lui-même lui présent, président Jules Cantave présent, premier ministre Jean-Henri Séan et plusieurs membres dans le cabinet à même, ils présent là, dans l'espace Mupana pour venir rendre, pour venir bail cérémonial ça, ils ont l'autre aspect, ils ont l'autre dimension. Là, on connaît que là, ouais, tout pouvoir, ça, on réunit, donc, là, pour rehausser éclat à travers cérémonial, ça, offrande florale, ça, qui pourra le faire là. Et là, nous allons l'inviter au vivre à travers la télévision nationale d'Haïti et toute l'autre chaîne télévision qui pourrait transmettre cérémonial, ça. Là, nous allons avoir l'opportunité pour entendre l'hymne présidentiel là. Et là, le temps que, son façon pour me dire que, déjà, cérémonial lui-même, il pourra le commencer. Et voilà, c'était l'hymne présidentiel, le président de la République, le chef du gouvernement, les membres du cabinet ministériel, les deux membres dans les deux pouvoirs, tout le monde s'est réuni dans enceinte Mupana. Question, je ne dis là, nous connaissons que 18 novembre, ça, c'est pas une date n'importe, et c'est pas une date qui, même Jacques, toute l'autre date, yo, mais son date qui est assez spéciale, assez importante dans l'histoire pays d'Haïti. Donc, c'est ça que fait, tout le monde s'est réuni aujourd'hui à là, pour capable venir rendre hommage bien mérité à, héros de l'indépendance, yo, côté président de la République, là, lui-même, libéral, fait offrande florale, ça, accompagné de l'autre deux membres, non, pouvoir l'État, et là, je viens de souligner pour tout le monde, non, et nous avons musée Panthéon National, côté télévision nationale d'Haïti, abede nous vivre en direct chaque moment fort dans journée ça, musée qui, en quelque sorte, accueille ou bien abrite toutes œuvres, tout ça, tout patrimoine matériel, et nous gagnons histoire, nous, tout patrimoine matériel, nous gagnons culture, nous. Donc, musée Panthéon National, je dis à l'honneur, encore une fois, pour accueillir chaque monde qui veut venir en hommage bien mérité à héros de l'indépendance et
nous pas cap si n'a parlé de bataille de Vertière, nous pas cap parler de Caporal la mort, nous pas cap parler de général en chef l'armée dans le temps qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Et faut souligner pour tout le monde que 18 novembre là n'est pas seulement la bataille de Vertière, mais c'est aussi la fête des forces armées d'Haïti. Et malheureusement, et nous pas gétant vivre, nous pas gétant vivre parade ou bien défilé et nouveaux membres et nouvelle corps forces armées a t'a réalisé dans les rues de la capitale. Et c'était une parade qui était rassemblé plusieurs curieux. Et là, faut dire pour tout le monde que parade ça, c'est son parade. Et sont pas traditionnels pour la simple bonne raison que c'est chaque 18 mai, que chaque 18 novembre que Paris a toujours réalisé avec et les membres des forces armées d'Haïti. Et je dis à ces fêtes yo son façon pour nous nourrir Mounsao, pour nous commémorer mémoire en pile là qui était by nom yo, qui était by koyo pendant journée 18 novembre ça 1803, le président de la République qui pourrait marquer date là, marqué date là, parce que là président de la République lui-même l'a signé et dans cahier qu'il a pour marquer date là, j'en dis là commémorer date ça qui est assez spécial dans histoire nous comme peuple, dans histoire nous comme pays et dans histoire nous comme nation. Parce que et à partir de 1803, à partir de 18 novembre 1803, là désormais t'es venu une possibilité pour nous parler de nation haïtienne, nan, pays d'Haïti. Parce que 18 novembre 1803 lui-même c'était coupé date ça lui-même, l'était coupé fâché avec ça le système esclavage dans pays, dans le monde. Et pays d'Haïti c'était unique pays dans la région comme côté que t'es gain pile tinèg noir qui t'est fait, qui t'est marqué gros date ça dans l'histoire le monde. Et c'est tout côté dans le monde j'en dis là, tout le monde qui a parlé de 18 novembre 1803 et 215 l'année après, et 18 novembre 2018 encore une fois tout pouvoir dans l'état réuni pour venir rendre hommage bien mérité, hommage à héros de l'indépendance dans Mupana, côté tout pouvoir l'état yo. Avec un peu l'autre monde dans la société civile là réunis pour venir déposer un geste fleur qui sont gestes symboliques, qui sont gestes qui traduit en pile valeur, qui traduit en pile valeur pour chaque grain haïtien quel que soit côté. À 18 novembre les dit en pile bagaille dans la vie. Et fandine que là nous presque arrivé dans fin cérémonial ça, hein? Côté chaque membre dans le gouvernement, chaque membre dans l'État. Il y a exprimé fierté pour date ça, qui c'est 18 novembre 1803, j'en dis là, qui c'est pas seulement la bataille de Vertière, mais c'est aussi la fête des forces armées d'Haïti, force l'armée ça, qui vraiment prend naissance à partir de 18 novembre 1803. Et j'en connais là, j'en dis là, cérémonial là, les presque arrivé dans, cérémonial là, les presque arrivé dans bout li. Et là, c'est le président de la République là, cap sorti, cap laissé en Sainte Mupana, musée Panthéon National là. Nous gon pays qui cher et cher maître et gon nation que les haïtiens, le temps que nous vivons hymne présidentiel là. Voilà, c'était l'hymne présidentiel, en façon pour nous dire que cérémonie à ça, vivait dans Boutli pour journée 18 novembre 2018, ça, 215 l'année après la première bataille de Vertière là. Et il faut rappeler pour tout le monde que là, cérémonie offrande florale qui t'a faite dans le musée Panthéon National d'Haïti à lui-même, lui vivait dans Boutli, et là nous pourrons attendre l'hymne.
Chalice family. Voilà, c'est là nous sommes tendés et fanfare parler national là qui t'a exécuté et présidentiel là plusieurs unités de la police nationale d'Haïti eux-mêmes y a pour fruit et y a pour fruit nous prestation ça dans journée 18 novembre 2018 là qui marqué qui rappelait et la fête des forces armées d'Haïti et matin là et nous avons opportunité ça quelque soit photo trouver et dans quelque soit photo tout d'ailleurs photo trouver dans le monde pour gagner chance vivre spectacle ça vivre prestation ça que et nos policiers et nos soldats pour free nous et son façon pour eux même dans façon pas yo rendre mal bien pété qui débarque pour te permettre aujourd'hui et qui est Haïti. Rappelez tout le monde que l'AN toujours sous télévision nationale d'Haïti et l'AN soutenant en cérémonie offrande florale qui est faite dans le musée Panthéon national d'Haïti, suivi de traditionnelles parades et parades de marche que et officiers dans la police, officiers de police et officiers de l'armée, même ont offert nous. Et nous remercions tous les amis et tous les autres médias qui te rendent que. Et retransmission ça lui-même les gars à travers le monde mais c'est vous-même qui la carotte ba tête obligation pour suivre et pour suivre activité ça dans musée Panthéon national d'Haïti et nous toujours mandé pour être suivre programmation télévision nationale d'Haïti pour rejoindre et pendant que n'a rappelé nous que l'autre membre dans pouvoir l'état eux-même yo présent et comme ça n'a pas vivre tout ça qu'a pendant journée et merci même à chaque membre de la population qui tape vivre moment ça c'était toute une équipe qui mobilisait depuis Champ de Mars musée Panthéon national d'Haïti pour te rendre événement ça possible pour te rendre événement ça arriver là la... Saluer tout le monde qui est avec nous. C'est pas une réunion, c'est une visite que nous rendons la police. Le, nous sommes si on est la rue et le, nous entendons comment dans qui ambiance manifestation a déroulé avec l'encadrement et l'accompagnement de la police de manière très professionnelle. Nous avons regardé comment la rue a organisé les jalons posés par la police pour contrer tout le monde qui t'a voulu faire des ordres, mais pour l'encadrer tout le monde et sécuriser tout le monde qui voulait vraiment manifester sans violence, eh bien, nous avons décidé de rendre la police en visite, non seulement pour féliciter, mais garder avec nous, parce que nous connaissons une limitation, il y a un petit problème dans le matériel de la police, et avec nos amis étrangers, dans le partenariat avec la MINUJUS, nous rendons compte que la police a fait un travail extraordinaire, de professionnalisme que nous ne pouvons jamais, et tout le monde constate depuis ce matin comment les rues sont organisées, comment la police a évolué, et comment la police entend que les gens manifestent dans leurs droits, mais sans que ne pas arriver à faire la violence. C'est certain qu'il y a des gens qui essayent de faire des bagages, mais la police toujours été tête frette. Nous voulons provoquer la police, nous provoquer le monde. La police était tête frette avec la commande qui fait ici là et
le relais qu'a fait entre la direction générale, le haut état-major et toute unité dans la rue, nous voyons son bagage professionnel qu'a fait. Nous sommes tenus à féliciter le haut état-major, le directeur général de la police, à remercier aussi les partenaires étrangers qui sont avec nous et qui a gardé, qui a évolué avec nous. Nous sommes tenus à faire ça et puis nous profiter, faire une visite et relever avec les guides de la police tous les petits problèmes qui gagnent pour que nous puissions résoudre tout de suite. Donc nous ne pouvons pas comprendre que la police, avec très peu, a réalisé autant. Mais là, m'a dit nous, sincèrement, le gouvernement déterminé pour que nous renforcions la police chaque jour plus, pour que le pays soit capable en paix. Parce que ça n'a pas gardé là, il n'est pas belle, moi, on a crasé, brisé, crasé, machine, mettre du feu. Son pays capitaine pour le monde vient là-dedans. Son pays capitaine les visiter. Son pays capitaine tourisme venu. Son pays capitaine investissement venu. Pas grand 15 gens investissement venu. Pas grand 15 gens touristes venu. Là que c'est dans ça, nous y est tout le temps. Il y a le temps pour nous comprendre. Violence n'a pas mené dans quel côté. Manifester, c'est normal. Tout le monde qui doit manifester, c'est un attribut de démocratie. Mais manifester sans violence, c'est ça qui doit la règle. Et c'est ça que nous souhaitons que tout le monde comprenne. Jodia, nous voulons, encadrement la police, bâille tout le monde confiance. Pas une raison pour le monde comprendre que vous êtes capable de venir à la manifestation, c'est des ordres. Et si c'est des ordres, la police va mettre l'ordre. Mais nous, tout le monde a passé très bien jusqu'à présent. Nous remercions la police, nous remercions tout le monde. C'est ça qui expliquait que nous présents aujourd'hui avec quelques ministres qui ont décidé d'accompagner nous pour nous venir parler avec la police, pour nous venir féliciter la police qui a fait un travail extraordinaire. Et donc, nous avons réalisé la nation entière. Et on soit amené à l'attente que la gouvernement de l'Opissage, le président, matin, le président, le message passé, ou même message propre, le message président de la population de l'Opissa, et personnellement, soit pour l'Opissage. Et bon, il faut comprendre que nous gagnons une ligne, comme administration, Moïse a gagné en ligne dans le comportement et dans le message que nous avons envoyé. Et dans le désir, dans la volonté de rencontrer tout le monde, de faire tout le monde des raisons. Chosia, l'heure est à la raison, l'heure est à la compréhension, l'heure est à la solidarité, l'heure est à la fraternité. C'est ça que nous cherché. Message, moyen, en ce sens, pas différent de ce que le président dit. C'est ça, c'est bataille pour nous, c'est combat pour nous. Regardez le comportement de la police. C'est la même chose. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Haïtiens. Nous faisons pour nous vivre ensemble. Il y a des règles, nous ne sommes pas toujours d'accord. C'est normal. Dans la diversité, nous avons construit plus bel pays. Mais dans le respect des droits l'un l'autre. Et c'est ça que nous demandons. Nous demandons quitter notre travail, revendiquer, critiquer nous, parler avec nous, pas de problème. Mais en respecter les règles jouées là, les règles démocratie. C'est bon, Charles. Ouais. Merci bien. Excusez, j'aurais des deux questions. Merci bien. Donc, effectivement, nous avons un rapport là. Et malheureusement, ce n'est pas seul cas de blessure par balle, du monde qui a été par balle, mais nous sommes ensemble. Il a joué ça. Dans le Nord aussi, nous avons. Et dans tous les deux cas, la police pas là. C'est ça la bonne nouvelle. Et pour les cas passés dans la zone Saint-Pierre, l'information qui travaille sur nous là, parce que nous avons automatiquement vu nos informations ça. Nous avons demandé IGC, l'inspecteur de la chef là, pour lui, pour une équipe avancée. Et c'est fort du premier travail que vous faites avec la compagnie. Nous avons deux hypothèses que nous travaillons sur. L'une, si on a sorti un de la piste, et l'autre là, il travaille en agent sécurité. Donc c'est deux pistes, ça on l'a exprimé. Sécurité privée. Donc c'est deux pistes, ça on l'a exprimé. Mais il vérifie le confirmer dans le nord, c'est un agent de sécurité. Si le monde a la même malheureusement, on a décidé à tout à l'heure. Et c'était l'occasion pour nous pour déraper avec le parti. Même si au niveau PNH, on a fait un effort pour ne pas arriver dans l'usage excessif de la force. Pour dire que les âmes, suivant toutes les instructions passées, à nous utiliser n'importe comment. On a demandé pour l'agence de sécurité de faire des responsables pour ne pas réaliser les armes et tirer. Tant bien que mal, on a essayé de réunir à travers les régions du pays, tout le bagage, ça c'est correct. Si nous acceptons dans le nord, pour les étudiants de l'église, nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas de problème. Donc, vice-délégué à lui-même,
par balle. Non, non, nous avons un policier qui est touché par balle, qui nous dit que le mouvement ça va faire avec tout. Et j'ai annoncé le temps pacifique, pas fait comme ça, oui, parce que dans des endroits, il y a une violence, notamment encore avec dans les. Comment la police par rapport à violence? Comment réaction à la police par rapport à violence? Je suis sur le clair, la politique de force de force. Et non, non, et à un certain moment, nous devons obligés de faire l'usage du gaz à l'époque. Parce que là, là, j'ai commencé par proportion. Et depuis juillet, donc là, il y a, et nous nous éparpillons pour nous y aller, mais c'est pour nous éparpiller encore. Dans le NIP, nous ne sommes pas capables d'évacuer facilement avec, je me sens en difficulté avec les filles déléguées. Il y a des tirs d'armes automatiques. Voilà la police même qui est obligée de prendre toute disposition capable d'évacuer. Premier ministre, dernière question à prendre. Nous avons le droit de nous. Est-ce que, s'il vous plaît, la démocratie parmi les médias. Vous ne pouvez pas conseiller de deux? Non, il y en a deux. Ils sont deux. En question à nouveau, le ministre, le ministre de la police, pour expliquer les manifestations, est-ce qu'on va craindre que l'opposition va utiliser ça pour dire qu'à chaque fois, le bon mouvement, soit président ou le ministre de la police, comment nous garder les manifestations? Maintenant, parce que nous sommes là, PM, il a annoncé les conférences de presse pour dire que le gouvernement a décidé de verser dans les dernières minutes. Est-ce que son test, ça? Et pour première question, il est très simple. Oubliez que le Premier ministre est le président du CSPN. Donc, même le Barouem dans la réunion de la police, mais président, parce que le CSPN est toujours avec la police. Ce n'est pas une réunion CSPN qui a fait, mais à tout moment, le président du CSPN peut être requis par le directeur général de la police ou bien capable tout, vient garder ça la police a fait. Et c'est ça exprimait plutôt une grande collaboration entre la police et le gouvernement. La deuxième question c'était Vertière. Pour qui ça? Il n'y a jamais eu de retrait. Nous sommes un gouvernement responsable et qui à tout moment a évalué la situation et toujours dans le sens de notre de l'assumance de nos responsabilités, nous toujours prenons la mesure et la décision idéale pour tout le monde, pour le peuple haïtien. Allez Vertière, Vertière, ce n'est pas chaque année que le président Vertière. Mais qu'on est tout le monde de soif pour être algadé en deux camps qu'a fait Vertière. Ce n'est pas ça un gouvernement. Ce n'est pas ça un président. Ce n'est pas ça des dirigeants responsables. Le dirigeant responsable, il recherche la paix. Et c'est dans le sens de la paix. Tu vas parler de stratégie, mais c'est cette stratégie qui va nous conduire à la paix que nous avons cherché. C'est la stratégie de la protection de la, de citoyens. C'est la stratégie de ne pas répondre aux provocations qui fait que nous avons toujours pris les meilleures décisions pour le peuple haïtien. Allez, Vertière, nous prenons Vertière, n'importe qui l'heure. Et gouvernement de Vertière. Gouvernement pas de Vertière à travers le Premier ministre ou président. Mais nous te dit gouvernement de Vertière, gouvernement de Vertière. Ça coûte fête Vertière, la fête Vertière, et me la satisfaction de tout le monde au cap, de tout le monde dans le pays. Merci. D'accord, merci beaucoup. Peuple haïtien, frère Axemio, jeudi, c'est 18 novembre. 18 novembre 1803, 18 novembre 2018. Ça fait 215 l'année. Depuis un sept noyauté, bah, ça, ou t'es gagné. Qui piche? Ça veut dire, la vie. Pour nous t'es qu'à gagner une patrie. Pour nous t'es qu'à gagner un drapeau. Pour nous qu'à gagner bouté ça, Haïti. Qui relève nous, chers maîtres, chers maîtresses. Ça fait 215 l'année. Depuis 107 noyauté coulé dans Vertière. Pour moi, même avec vous, t'es qu'à relève aujourd'hui. Haïtien. Ça fait 215 l'année depuis une série de jeunes femmes et jeunes garçons qui ont décidé de braver baïonnette, braver coup de
tant nous, pour chaque Haïtien, t'es qu'à vivre tant qu'au monde. Pour chaque monde sur la terre, quel que soit, qu'on les pauvres, femmes, qu'on garçons, riches, qu'on pauvres, nègres en haut, qu'on nègres en bas, sans pièce de discrimination, pour tout le monde vivre tant qu'au monde. 18 novembre, c'est jour pour nous dire au champ pour ancêtres nous. C'est jour pour témoigner la reconnaissance devant le monde entier pour gros qu'aucune chaîne sacrifice ancêtres nous ont fait. 18 novembre, c'est jour pour nous chaque Haïtien. Mande tête nous, qui ça n'a pas fait? Qui ça nous qu'a fait pour honorer bel pays ça? Ancêtres nous ont quitté pour nous. Dessalines, Christophe, Pétion, Capois, Gabar, à tout l'autre, te bataille pour nous te gagner liberté. Yo te bataille contre force fait noir qui te voulait qu'on nous dans chaîne esclavage. Aujourd'hui, nous pas esclaves encore. Grâce à Haïti, pas de peuple dans la région, ni dans le monde là, qui est esclave encore. Aïe bobo, pour un sept nous. Frem, action. Les batailles la fini. Jodia, c'est l'air pour nous coopérer. Ça veut dire, c'est l'air pour nous mettre tête ensemble pour casser chaîne sous-développement, chaîne blackout, chaîne la misère qui fait qu'il y a quelqu'un dans nous qui a envie d'oublier ça nous. C'est l'heure pour nous coopérer, pour nous bâtir un Haïti qui fait fierté dans cette nous. Un Haïti qui fait fierté nous. Fierté petite nous, à petite petite nous. Nous pas tromper nous de route. Nous pas oublier côté nous sorti. Nous comprendre bien. Nous comprendre très bien côté nous. Nous pas oublier côté nous aller. Mission nous, c'est casser chaîne sous-développement. Chaîne sous-développement, ma connaît avec monopole dans avantage d'un petit groupe qui fait la misère à plus. Chaîne sous-développement, ma connaît avec l'esprit intolérance pour s'y mettre dans le temps peuple là. Chaîne sous-développement, ma connaît, avec l'esprit antidémocratique pour créer instabilité qui a plongé le peuple dans plus de misère. Chaîne sous-développement, avec instabilité, c'est cocotte avec Figaro. Peuple haïtien, réveillez-vous. Pas quitter à ma terre, zak crasé, brisé. Retirez-nous sous chemin démocratie. C'est notre tête ensemble, dans la paix, avec bon gens comprendre, pour nous arriver à ces chaînes sous développement, qui fait depuis plus, passé 60 ans, petit pays a obligé, traverser la mer, traverser frontières, aller à les voisins, derrière la vie. Chaîne sous développement, ma connaît ak instabilité pour craser production nationale. Empêcher peuple de manger dans l'assiette à comme n'importe. N'a travail pour chaque haïtien vivre bien. C'est ça nous te promettre, c'est ça n'a fait. En nous cultiver l'esprit vertière. L'esprit vertière c'est courage. Solidarité, détermination à coopération, yon à l'autre. L'esprit vertier doit continuer ben nous courage pour nous mener combat pour indépendance économique et stabilité politique avec la paix sociale dans le pays nous parce que nous tous c'est ici. L'union fait la force. Là, nous diviser,
nous vînons plus faibles. En nous rete collé yon ak lot, en nous coopérer pour bâtir yon Haïti, côté chaque Haïtien a ka vivre pi bien. En nous coopérer, même gens ak zan sèt nou yo nan vetye, pour chaque moun sou tè sa ka vivre tan kou moun. C'est yon nécessité ak yon obligation pour nous parler yon ak lot, même si nous pas d'accord sur toute bataille. C'est dans bon gens dialogue nous arrivons à joindre solution pour mener pays sur route changement tout bon. C'est dans bon gens dialogue bataille contre corruption a fait tout bon. Nous c'est Haïti, vive la démocratie, vive le peuple haïtien, vive Haïti.